Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. Attention, à partir de maintenant, si votre téléphone sonne, vous ne décrochez plus. Si quelqu'un frappe à la porte, vous n'ouvrez pas. Tout de suite, voici Mangazon. Le mag. Ezekiel Kincaid's International House of Chicken, where you pick out your own live chicken, you slaughter your chicken, and you cook your personal chicken over a barbecue pit. That's Ezekiel Kincaid's International House of Chicken. I know my chicken. She went to college, studied anatomy. After the heart from the butchery, went back to baby, it was cool about the magenta, the other was the blue. Depuis la récente mort de Ape-Man, un justicier cyborg créé par le professeur Tani, la ville est sous l'emprise de terroristes. Enquêtant sur la disparition d'un scientifique, Azuma est mortellement blessé. Son corps servira alors à remettre en état le fameux Ape-Man.
Tiré d'un ancien manga de Kazumasa Hirai et réalisé par Furukawa, à qui l'on doit notamment Dark Side Blues, Eggman est un animé intéressant qui de plus bénéficie d'une animation de qualité. Sachez enfin que cette cassette est déjà disponible à la vente. Qu'est-ce que c'est? Un simple rappel, monsieur. Vous avez rendez-vous dans 10 minutes avec le comité de planification. Bien. Et qui êtes-vous? Yokogawa, monsieur, chargé des relations publiques. Si vous avez une minute, je pense que vous serez intéressé par les résultats du sondage concernant les intentions de vote. Ils sont plus qu'encourageants. Que pensez-vous de mes chances si je décidais de me présenter comme maire? Qui? Moi, monsieur? Oh, je ne suis pas très douée pour les pronostics politiques ou de football, mais personnellement, je crois que vous seriez un très bon maire. Je voterai pour vous. J'aime cette ville de tout mon cœur. Et c'est pourquoi je ne peux ignorer ce qu'elle est devenue. Les trafiquants de drogue partout, les quartiers complets sous la coupe de criminels, la corruption qui la ronge comme un cancer. Puisqu'un homme d'affaires, je suis un rêveur. Et cette maquette est ma vision de la ville idéale. Une cité exemplaire, propre, débarrassée de toute cette vermine, où ses habitants pourraient vivre en oubliant la peur. La virgule n'est pas à sa place. Vous êtes la secrétaire du boss? En réalité, je suis dans les relations publiques. Oui, je suis paranoïaque. Je dirais plutôt policier, pas vrai? Je parie que vous détestez les flics. Non, en fait, j'ai même une... Moi, je peux pas les sentir. Ils vous attendent, monsieur. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rester là. Nous avons un rendez-vous. J'en ai pour une minute. Monsieur Daigo. Monsieur Daigo ne reçoit personne, alors sortez! Tu me prends pour qui, mec? On ne me dira pas comme ça. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. J'appelle le service d'ordre. Oh, oh, pas touchant. Pourquoi tu compliques la situation? À vos manières, je crois deviner que vous êtes policier. Bon, allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je cherche un dénommé Eddie Schmidt, que vous connaissez? Ce nom ne me dit rien. Mais pourquoi vous intéresse-t-il? Cet homme est recherché. Il a travaillé plusieurs années dans votre compagnie, alors je pensais que vous devriez vous adresser au service du personnel. Cette société emploie des milliers de personnes. Je ne suis pas censé les connaître toutes personnellement. Vous n'êtes pas une simple personne. Dirigez votre laboratoire de recherche. Je crois que j'ai déjà... Je préviens les agents de sécurité. Koichi est réveillé par une voix venue de l'au-delà qui lui demande de combattre à nouveau les forces du mal. Plus tard, il découvre qu'il a de super pouvoirs, c'est alors que les ennuis commencent, puisque quelqu'un en veut à sa vie. Il a vraiment pas de peau, ce Koichi. Bref, avec Babel, tous les fans de Saint Seiya devraient être ravis, puisque les dessins sont signés par le même duo, à savoir Shingo Araki et Michi Himeno. A noter quand même que cet animé est d'ores et déjà disponible à la vente. Tu as échoué. Je suis extrêmement déçu, ma chère Julia. Oui, je suis désolé, maître. Vous êtes fou! C'est ton opinion. Moi, je me considère comme un visionnaire. Maintenant, je dois vous dire adieu à tous les deux. Thank you.
C'est pas vrai. Il a réussi. Oubliez-le, maître. Allons-nous-en vite. Oui. Julia. Julia! Sortir seul, Babel. Lâche ma main. On fait une belle équipe, toi et moi. Ensemble, nous vaincrons Yomi. Ce serait comme lui planter un poignard dans le dos. Comment peux-tu être encore fidèle à ce maniaque? Il a essayé de te tuer. Oui, mais je l'avais mérité. Je dois payer maintenant. Tiens bon, Julia! Sur fond d'exorcisme, Tokyo Babylon est une réflexion sur la lente décadence de Tokyo. Retrouvez dès maintenant l'univers glauque et bizarroïde de ce manga pas comme les autres, qui, je vous le rappelle, est édité en sens de lecture nippon. That grew down the river, all bloody and wild.